birds fly by while I'm out here. I'm just gonna have to shoot up in the air and take my best shot. Y'all got me a really nice bird. It's beautiful. Le soleil après se lever, nuage après se casser. Je connais pas, peut-être les canards ils vont plus voler pour la journée. Ça fait. Peut-être je ferais mieux d'aller back à Lafayette, déplumer mon petit canard là. Mes amis, si on apprend à voyager dans les marais ou dans les bois, et on voit des flatras comme ça là, il faut l'attraper. C'est pas bon pour l'environnement, c'est pas bon pour les animaux. Les oiseaux peuvent s'attraper dans les petits sacs de plastique comme ça. Et il n'y a qu'à mourir là-dedans, et c'est pas bon pour les animaux, et c'est juste pas bon, c'est du tracas. Il y a beaucoup de monde qui habite ici dans la Chafalaye. Et des fois, il y a du monde qui habite dans la grande ville. Et puis, tous les week-ends, ça quitte la grande ville pour venir ici. Je n'ai tué seulement un canard pour aujourd'hui. Mais moi, je trouve que ça, c'est bon. C'est pas 6 canards, mais c'est bon parce que je ne veux pas déplumer 6 canards aujourd'hui. Je prends une humeur pour ça. Et ça sera bon dans la Chaudière Noire, ça. Et ça sera bon dans un gombo. J'espérais pour plus de canards pour venir. Il y en avait qui sont passés, mais c'était pas assez proche. Mais ça, c'est bien assez ça pour moi aujourd'hui. Et c'est assez de travail. On peut couper la tête. On veut arracher le chi et tout. Puis on va casser, puis couper les ailes aussi. Et après ça, on va prendre le stomac et tout ça. Le cœur et tout. On va prendre tout ça, arracher tout ça qui est là-dedans. On peut voir qu'il y a des petites plumes qui restent toujours. Ça fait, on va prendre tout ça et on va commencer un feu. On va mettre le canard sur un feu pour brûler ça qui reste. Là, mon petit canard, là, c'est une propriété. Ça fait. Je l'ai mis dans le vinaigre puis de l'eau et je vais le laisser comme ça pendant une heure et après ça, je vais commencer de faire un gumbo. Je vais bronzer la viande et on va commencer un bon gumbo ce soir. Ça ici, c'est Cédric Watson avec Wild Watson Outdoors.